Salut à tous, nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être une vidéo où je vais vous parler de mes 4 produits en fait orientaux qui m'ont changé la vie. Et c'est des produits en fait que j'utilise très souvent, surtout un en particulier. Voilà, là, je vais tout de suite commencer. Alors, je vais commencer par des trucs un petit peu simples. En fait, ça va être l'huile. Donc, il y a l'huile d'argan. Vous voyez à quel point elle est descendue. Donc la plupart du temps, l'huile d'argan, quand même plus. Ce que je faisais, c'est que je la mettais en fait le dimanche en tant que masque toute la journée. Et après, je me rinçais les cheveux le soir. Donc comme ça, tout au long de la journée, bah, ça hydratait mon cheveu et mon cheveu l'absorbait, etc. Et voilà, ça me faisait pousser les cheveux assez bien. Et l'huile de ricin, qui est celle-ci, j'en ai déjà fini une autre. Donc j'en ai recommencé une autre. Hein. Mais l'huile de ricin a fait... C'est mes cheveux à une vitesse mais comme pas possible. Voilà, ça les rend brillants, hydratés, voilà. Et ça les protège. Donc quoi de mieux. Et ce sont des produits en fait qui m'ont vraiment changé la vie parce que voilà quoi. Qui sont trop bien et franchement vous devez les avoir. Franchement, alors, surtout si vous voyagez et que vous partez dans un pays comme le Maroc, l'Inde, l'Algérie, Tunisie, Égypte, vous trouverez forcément ces produits-là. Forcément. Et en plus ils coûtent pas cher. Donc voilà. Ensuite, troisième produit qui m'a changé la vie, c'est celui-ci. En fait, c'est un cardoon. C'est quoi un cardoon? En fait, tout simplement, un truc qu'on enroule sur ses cheveux. En fait, il faut que vos cheveux soient lisses, enfin pas lisses, mais que vos cheveux soient démêlés. Et en fait, ça va vous permettre de les lisser naturellement. En fait, vous le mettez avant de dormir et ça les lisse dans la nuit naturellement. Après, il y a lisser et lisser. Donc... ça va lisser mais il va y avoir quand même des petites ondulations en tout cas pour mes cheveux parce que ma nature de cheveux est assez ondulée en fait donc forcément ça va un petit peu, ça va pas être des baguettes en fait. Et des personnes qui ont des cheveux déjà raides à la base, bah, ça va les adoucir et ça va en fait les protéger. En fait avant tout ça va protéger les cheveux tout simplement parce que dans la nuit il faut pas que vos cheveux soient... faut pas lâcher ses cheveux quand vous dormez parce qu'en fait avec le frottement sur le coussin ça va faire de l'électricité statique, c'est pas bon du tout pour le cheveu. C'est pour ça qu'il est conseillé en fait de les attacher avant de dormir. Moi je les attache en forme de bun mais c'est pas forcément bon et il m'arrive très souvent de mettre le cardoon pour justement les lisser et protéger ses cheveux parce que franchement ça les protège vraiment vraiment. Après si vous n'avez pas de cardoon, alors ce que vous pouvez faire c'est que vous prenez en fait une sorte de un ruban, voilà. Un ruban, ça dépend de l'épaisseur, hein. Vous pouvez prendre jusqu'à n'importe quelle épaisseur. Mais en fait, il faut s'amuser à faire une sorte de queue de cheval sans attacher avec un élastique, moi j'aime pas. Vous prenez, vous faites déjà un premier nœud et après, avec tout le reste qui reste, ben, vous enroulez vos cheveux, vous enroulez, vous enroulez. Si jamais j'ai le temps, j'arrive, j'essaierai de vous insérer une image. Et en tout cas, je vous le conseille, en général, il coûte pas cher. En France... je sais pas, ça doit être aux alentours de 2, 3, 4 euros, je sais pas. Mais alors que cette chose, en fait, elle coûte même pas 30 centimes. En vrai, réalité. Moi, j'en ai deux. Et le cinquième, non, le quatrième produit, ça va être ça. Ça. Alors, j'en avais parlé déjà dans une vidéo où je vous disais comment garder un bon bronzage, comment garder le bronzage tout l'été, enfin, un truc du style. Je vous la mettrai en barre d'infos et sur le i. En fait... pour avoir déjà une belle peau et pour nettoyer votre peau, bah, il faut avoir un gant gommant. Ça vaut tous les gommages qu'on vous vend en grande surface ou chez Sephora ou je sais pas quoi à un bras. Alors que ça c'est la solution. Hein. C'est vraiment 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 la solution parce que ça va vraiment gommer. Alors que les gommages qu'on trouve dans les supermarchés, ça ne gomme pas, ça va juste caresser bah, votre peau tout simplement. Donc ouais, moi j'aime bien quand c'est hard quoi. Tu vois, donc en fait ça gomme vraiment. Surtout vous savez là, derrière les bras, ici, derrière la cheville en fait, et sur les cuisses. Moi je vous conseille, en fait ça va devenir, vous allez avoir de la peau toute noire, ça va être dégueulasse, ça a fait peur au début, mais franchement avec l'habitude vous allez avoir vraiment l'habitude. Et du coup en fait commencez par la cheville parce que c'est là en fait où c'est le plus crade on va dire. Parce qu'il y a eu le frottement du jean, des chaussettes, avec les baskets, etc. Et en fait, pour commencer en fait à enlever cette peau morte, je commence par la cheville et je commence à remonter petit à petit parce que c'est dégueulasse ce que je vais dire, mais la peau morte que je vais commencer par la cheville, ça va entraîner les autres peaux mortes et du coup ça m'amène à
Tu vois ce que je veux dire, le petit circuit que j'essaye de faire. Et en général, je commence par l'intérieur des bras. Et je peux vous dire que c'est pas très joli à voir. Et c'est là où ça y va le plus. Au niveau des épaules et surtout au niveau du dos, c'est... Voilà. Par contre, moi, au niveau du dos, c'est un petit peu délicat. Parce qu'en général, je me douche quand il n'y a pas ma mère. Et du coup, bah, le dos, il n'y a personne pour le faire. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment les trucs orientaux, quoi. Parce que pour moi, il n'y a pas de... Le seul gommage magique qui enlève vraiment, qui tient ses promesses, c'est ça. Et ça aussi, ça coûte quoi? Ça coûte 1 euro en vrai, mais ici en France, je crois que ça coûte 5 euros. Et encore, 5 euros, c'est mieux que les gommages qu'on peut trouver à 10 euros ou autre, quoi. Parce que ça, au moins, c'est efficace et ça tient vraiment. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que je vous présente un petit peu des produits qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout sur YouTube. Donc voilà, ce sont des produits que j'utilise et qui marchent. Donc ça me protège les cheveux, ce sont des produits, on va dire, naturels. Hein. Oui, c'est naturel. Donc voilà, non, pourquoi j'ai écrit là? Ah non, alors vite que je finisse ma vidéo parce que là ça va pas faire. Ah non, ça va. Oui, parce que c'est la fin de journée. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces produits, si jamais vous ne les avez pas et que vous voulez les essayer et que vous arrivez à les essayer, je sais pas si vous avez essayé. Dites-moi si ça a marché pour vous. Et voilà, après je sais pas du tout où est-ce que vous pourrez les trouver. J'essaierai de chercher pour vous. Je vous mets tout comme d'habitude en barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Comme je vous le répète à chaque fois, c'est là où je peux discuter avec vous instantanément, etc. Surtout à travers Snapchat, Camille EBS, et les autres réseaux sociaux, c'est Easy Beauty Style comme le nom de ma chaîne. De toute façon, vous avez tout le temps les liens en barre d'infos. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est le petit truc rouge là que vous voyez en bas. Comme ça, au moins, vous serez au courant de toutes les vidéos qui vont sortir à chaque fois. Et voilà. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite. Bye! Hey! J'espère que vous allez bien. Nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Donc, cette fois-ci, ça va être une vidéo qui va compléter un petit peu une autre vidéo que j'avais faite. Donc, je vais vous parler des 10 choses